Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui m'a été conseillée par l'un d'entre vous sur le fait de parler de comment payer son green fee moins cher. Alors, j'ai fait quelques recherches de ce que je savais et ce que j'ignorais. Et du coup, je vais vous présenter quelques astuces pour payer son green fee un peu moins cher, voire pas cher du tout. Donc, la première astuce, elle est tout simplement sur les sites de réservation. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, il y a par exemple Book & Golf, où là, donc, si on regarde en Île-de-France, on voit qu'il y a quand même pas mal de réductions. Par exemple, 57% sur l'hôtel, sur le golf de Montgriffon, moins 51% sur le golf de Bellefontaine. Je suis allé voir aussi, par exemple, là, donc, on est au golf de Saint-Étienne. Et donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal de réductions. Même jusqu'à 42% pour un départ à 14h30, 42% également, pareil sur le pitch, vous avez 21%. Un autre site, c'est par exemple le Chronogolf, pareil, pas mal de promos avec la carte, donc là je l'ai centré sur Rhône-Alpes, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de golf avec des promotions. Green Access, alors que je ne connais pas, c'est un site que j'ai jamais utilisé, mais qui, voilà, pareil, propose des promotions. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur Golfomax. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent et veulent en parler dans les commentaires, mais ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai regardé quelques avis qui sont plutôt positifs. C'est un système de carnet où dedans, vous avez donc des réductions sur des golfs un peu partout en France. Vous pouvez donc acheter plusieurs carnets avec des prix donc, qui sont décroissants. Et après, donc, ces promotions, si on regarde, hop, par exemple en France, en Rhône-Alpes, donc voilà, vous avez des coupons, et donc ces coupons, on voit par exemple là, c'est pour deux joueurs pour le prix d'un en semaine et week-end, donc hors compétition, ce qui fait quand même une belle réduction. Pareil, si on continue, c'est YouGolf, voilà, il y en a quand même pas mal. Et donc, si on regarde à quoi ressemble donc par exemple le catalogue, sachant que c'est aussi une application, voilà, donc c'est des pages de coupons avec les différents golfs. Et je pense que du coup, on déchire le coupon quand on le donne à l'accueil. Donc, si on regarde le prix du carnet, il est à 47€. Donc, je pense qu'on le rentabilise assez vite. Et l'application est à 42€ en formule de base. Voilà, donc là, c'est la première astuce pour moi. C'est vraiment vérifier sur les sites avant comment s'il y a des réductions ou pas. Alors du coup, la deuxième astuce, je vous en parle là maintenant, car j'ai reçu par mail cette offre pour le Black Friday chez Blue Green. Alors, au-delà de cette offre particulière que je vais vous présenter, c'est surtout être attentif justement aux offres promotionnelles des grands réseaux. Si vous prenez YouGolf, Blue Green, Golfy, souvent il y a des offres promotionnelles à certains événements. Par exemple, en début d'été, des fois ils ont des packs été, qui font que vous allez pouvoir jouer en illimité juste sur les deux mois d'été. Et donc là, je voulais vous montrer, parce que donc à partir du 25 novembre, il y a une offre, par exemple Black Friday, où il y aura quand même pas mal de réductions sur les abonnements, les green fees, l'enseignement, les practices, enfin, sur quand même beaucoup de choses. Et donc ça vaut souvent le coup d'attendre, par exemple, 2-3 jours avant de prendre son abonnement ou de réserver un green fee, tout simplement, parce qu'il y aura des offres sympathiques. Si on regarde, par exemple, là, l'offre sur l'abonnement. Voilà, donc c'est un surclassement où on peut passer, voilà, donc par exemple de 5 jours vers 7 sur 7, unicite vers région ou France. Donc voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Et on en vient par exemple à une offre qui est pas mal aussi sur la Blue Green Card, qui va me permettre d'enchaîner directement avec une troisième astuce. Donc vous voyez, donc la Blue Green Card, qui vous permet d'avoir des réductions derrière sur les green fees, et donc à l'occasion du Black Friday, vous avez un green fee offert. Donc du coup, on va parler des cartes d'abonnement qui permettent d'avoir des réductions toute l'année. Donc par exemple, une des plus connues, c'est naturellement la carte Golfy, qui vous permet donc d'avoir quand même pas mal de réductions, des green fees offerts. Voilà, donc quand on regarde, il y a un programme de fidélité également, réduction sur les séjours, etc. Si on regarde, est-ce que l'on peut voir les golfs et les hébergements partenaires Golfy, il y en a quand même un bon paquet.
Donc globalement, voilà, sachant qu'il n'y en a pas qu'en France, hein, vous voyez, il y en a aussi en Espagne. Et du coup, voilà, ça peut valoir le coup avec la carte Golfi, voilà, vous avez quand même des réductions assez sympathiques. Donc ça peut valoir le coup de la prendre si vous utilisez beaucoup le réseau Golfi. De même pour la carte donc Blue Green, sur le réseau donc Blue Green, ou pour 45 euros, donc après toute l'année, vous avez 25% de remise sur les Green Fee, 30% sur la voiturette, ça peut toujours être utile, et également des réductions sur les Golf partenaires. Une autre carte, c'est la carte YouGolf, la carte classique, ou la carte Gold. Pareil, encore une fois, des réductions. Donc ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est de vérifier déjà quel golf et quelle marque de club de golf vous avez proche de chez vous. Par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est ma région, il y a peu de YouGolf. En revanche, il y a beaucoup de Blue Green et beaucoup de Golfi. Ce n'est pas forcément le cas en région parisienne, où je crois qu'il y a beaucoup de YouGolf. Donc voilà, prenez la carte en fonction de aussi votre zone en France. Et donc, ma dernière astuce, c'est simplement aussi d'aller voir sur des sites sur lesquels on ne penserait pas forcément. Par exemple, si vous allez sur Le Bon Coin, vous pouvez des fois trouver des green fees de personnes qui les ont gagnées ou qui ont eu en cadeau et qui, du coup, ne savent pas forcément quand les utiliser. Du coup, ils les vendent souvent à prix cassé. Donc voilà, Le Bon Coin, pareil, ça peut être l'occasion de trouver de bonnes occasions, justement. Et un autre site auquel on ne pense pas forcément, c'est simplement Vente Privée. Parce que voilà, par exemple, en ce moment, il y a une offre qui est sur un golf à Paris où vous pouvez trouver voilà, des promotions assez intéressantes. Il faut savoir que moi, par exemple, cet été, c'est sur Vente Privée que j'avais trouvé un abonnement été au réseau YouGolf pour 240 euros au lieu de 320, je crois. Et du coup, bah, ça me permettait de jouer en illimité. C'est pour ça que je jouais beaucoup à Mionnet cet été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des conseils ou des astuces pour payer moins cher votre green fee, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que grâce à ça, votre partie de golf vous coûtera un peu moins cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !